Salut à tous, c'est Néo. Donc là, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On se retrouve du coup pour un tout nouveau glitch en solo. Donc du coup, le founder sera en description. En tout cas, avant ça, un grand merci à vous tous pour les 25 700 abonnés. C'est juste énorme. Go rush du coup les 25 800 abonnés. Donc du coup pour commencer donc ce petit glitch, vous devrez commencer donc par être en session publique, ok. Donc pas en session sur invitation, mais bien en session publique, ok. Faudra du coup être en mode de visée libre ou en mode de visée assistée, peu importe. Mais si du coup vous êtes en mode de visée assistée, faudra du coup rejoindre un mec qui est en visée libre. Et l'inverse, si vous êtes en mode de visée libre, faudra du coup rejoindre un mec qui est en mode de visée assistée. Ok, du coup voilà. Faudra du coup que vous ayez aussi la Mesbank Arena comme moi. Ok, du coup voilà. Et dans votre garage du niveau de l'atelier, faudra que vous ayez un véhicule à dupliquer. Donc moi pour ma part, vous avez vu, je prends ma ici anticipation. Mais vous, vous prenez le véhicule que vous souhaitez. Ok. Faudra du coup mettre une Elegy RH8 dans votre garage, ok, pour du coup faire une duplication. Donc moi c'est bon, ma Elegy RH8 est bien là, ok. Et du coup faudra que vous ayez un autre véhicule. Donc faudra que vous ayez cette moto là. Donc voilà, précisément cette moto là. Du coup pour l'acheter c'est hyper simple. On va du coup sur le site internet. Ensuite on va sur le site, on va sur voyage et transport. On va sur le site Beniz. On va dans stock, ok. Donc là on descend et du coup elle s'appelle la Pegasi FCR 1000. Donc voilà, donc là vous l'achetez cette moto là précisément. Donc hop, on l'achète. Et du coup après c'est bon. Faudra du coup que vous ayez aussi un centre d'opération mobile pour du coup après enregistrer votre duplication dans le jeu. Ok, du coup voilà. Donc une fois tout ceci préparé, c'est parti, let's go. Allez hop, du coup pour commencer le glitch, là on sort de la Mesbank Arena. Et une fois rendu dehors, là on va se diriger vers une activité en bleu du coup sur la map. Donc par exemple la même que moi, ok. Du coup après une fois rendu à l'activité comme moi, là on rejoint un mec en mode de visée différent d'une autre. Donc par exemple dans ma communauté à moi qui s'appelle NeoGamer. Donc hop, on rejoint un mec. Là on va accepter le premier message et on refuse le second message, ok. Ensuite on ouvre le téléphone, on va dans activité rapide. Après on va tout en bas, on va dans braquage, ok. Après on clique sur rejoindre le salon directement. Après on clique sur vraiment. Après on accepte le message. Ensuite là on va ouvrir de nouveau son téléphone. On va dans activité rapide. Après on descend tout en bas et on clique sur braquage, ok. Après on clique sur rejoindre le salon directement. Et là du coup vous allez faire une manipulation. On clique sur vraiment et du coup ensuite on rejoint un mec en mode de visée différent d'une autre. Donc là du coup vous aurez un message et du coup sur le message on touche à rien, ok. Et du coup il faudra que vous ayez le son du jeu, d'accord. Et du coup dès qu'on entend un petit bruit pour rejoindre le braquage, là vous allez accepter le message et refuser le second message. Et vous allez voir que vous serez totalement invisible. Ensuite du coup on va dans l'activité en bleu et on fait du coup la flèche de droite, ok. Du coup c'est parti, on le fait ensemble. On clique sur vraiment. Ensuite on rejoint un mec en mode de visée différent d'une autre. Donc par exemple dans ma communauté à moi qui s'appelle NeoGamer. Là du coup vous aurez le message d'alerte. Du coup on touche à rien. Il faudra que vous ayez le son du jeu. Donc dès qu'on entend le petit bruit, donc pour rejoindre du coup le braquage, là vous allez accepter le message. Et du coup on refuse le second message. Et vous allez voir que boum, on est du coup totalement invisible. Après du coup on va dans l'activité en bleu et on fait la flèche de droite. Et c'est bon, là vous êtes bien buggé, ok. Ensuite du coup on va au niveau de la Mesbank Arena. Donc hop, on rentre du coup dans le niveau de l'atelier de la Mesbank Arena, d'accord. Et du coup après on va au niveau de la moto, d'accord. Du coup hop, on va au niveau de la moto. On monte sur la moto, d'accord.
Et du coup, là, vous allez faire la flèche de droite pour modifier votre véhicule. Donc là, du coup, vous avez une petite cinématique comme moi. Du coup, vous allez spawn dans le menu pour modifier votre véhicule. Ensuite, du coup, on clique sur transformation bénie. Ok. Ensuite, là, vous allez ouvrir votre menu pause. Donc, du coup, on fait le bouton start. Après, on va dans en ligne et on clique sur joueur. Ok. Donc, du coup, maintenant, là, on va cliquer un par un, du coup, sur les joueurs de la session. Et il faut trouver une personne où c'est marqué rejoindre partie. Ok. Donc, hop, du coup, là, je cherche une personne où c'est marqué rejoindre partie. Donc, là, c'est bon. J'ai trouvé une personne. Ok. Du coup, maintenant, là, on clique sur rejoindre partie. Vous aurez, du coup, un message. Et ensuite, du coup, vous allez spammer votre bouton croix. Ok. Du coup, hop, là, on spam, on spam, on spam, on spam, on spam son bouton croix pendant au moins 3 à 4 secondes. D'accord? Du coup, là, vous aurez des flashs comme moi. Ensuite, du coup, si votre joueur est freeze, ce n'est pas grave, d'accord? Ne vous inquiétez pas. On fait du coup le bouton start. On va dans en ligne. Et du coup, on clique sur les shardcards, ok? Du coup, hop, on va dans shardcard. Après, du coup, on fait le bouton pour fermer le menu. Et vous allez voir que boum, on va respawn ici, ok? Ensuite, on sort du véhicule. Après, on va au niveau du petit rond bleu dans le garage. Donc, du coup, on fait la flèche de droite pour accéder au menu du garage. Maintenant, là, on prend la Elegy RH8 et on la change de place avec la ici anticipation. Ok. Une fois avoir fait ça, là, c'est bon. Maintenant, on va au niveau de la ici anticipation et vous allez voir votre plaque. Moi, ma plaque, elle se finit par Néo. Ok. Donc, du coup, on monte dans le véhicule et on fait le bouton R2 pour sortir du garage. Donc là, vous aurez un écran noir comme moi et vous allez respawn dehors. Et vous allez voir que boum, votre plaque du coup, après la plaque de la Elegy RH, du coup, c'est bien une duplication. Ok. Ensuite, on fait le pavé tactile. On va dans véhicule imposant et on commande notre centre. Du coup, une fois que le centre a bien spawn, on se dirige vers lui. On va au niveau du petit rond bleu. On fait du coup la flèche droite. Si du coup, on a un message comme moi de dépôt de véhicule plein, on accepte le message. Du coup, c'est bon. Votre duplication est bien enregistrée. Du coup, voilà. Ensuite, du coup, si vous voulez faire d'autres duplications, c'est hyper simple. On fait du coup le bouton start en ligne et on fait trouver une nouvelle session, ok? Et du coup, on commence depuis tous les débuts et puis voilà. Donc, n'hésitez pas en tout cas à liker et à vous abonner. Grosse, du coup, les 25 800 abonnés. En tout cas, moi, je vous laisse donc, sur ce gameplay, donc sur ces images. C'était Néo. Allez, ciao!